C'est un processus qui a démarré dans la dernière semaine, mois juin. Le secrétariat général de la présidence a demandé divers secteurs pour désigner représentants pour formation conseil électoral provisoire. Jean 3 avril 2024 l'a précisé ça. Après un pile tractation avec Chirépit dans le temps quelques secteurs, plusieurs d'entre eux sont arrivés sous maintenant représentants par le conseil présidentiel transition. Dans date 19 septembre 2024, l'an, CPTN a publié un arrêté côté le nommé 7 sous 9 membres qui doivent former KEP. Secteur femmes et secteur droit moun, c'est secteur qui était pour désigner représentant yo pour compléter KEP. Dans arrêté ça, nous joignons la communauté vaudou qui gagne comme représentant Schneider Adeli, conférence épiscopale d'Haïti qui gagne Patrick Saint-Hilaire comme représentant, culte réformé yo qui désigne Peterson Pierre-Louis, conseil universitaire qui gagne Marie-Florence Mathieu comme représentant yo, association journaliste yo qui ont même choisi Jacques Desrosiers comme représentant, association paysan yo qui désigne Jacques Seyus Joseph, et puis pour secteur syndical là, c'est Nemo de Sanon qui désigné pour représenter yo dans KEP. Quelques semaines après publication arrêté qui nommait personnalité sa yo, autorité yo nan yon cérémonie qui fait en détente en date 18 octobre passé, réalisé prestation serment ak installation 7 conseillers électoraux yo. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Selon article 3 arrêté 19 septembre, KEP ça a pris le pour organiser référendum constitutionnel et puis réaliser élection à tout niveau dans le pays. Environ 24 heures après yo fin installé, sept conseillers yo entendu yo pour constituer bureau nouveau conseil électoral là. Représentant conférence épiscopale là, Patrick Saint-Hilaire, c'est président KEP. Représentant Vaudou Schneider Adeli, c'est vice-président. Représentant secteur syndical là, Nemo de Sanon Vini, secrétaire général KEP. Et puis représentant association journaliste yo, Jacques Desrosiers choisi comme trésorier KEP.